Salut à tous les amis, c'est Nano, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est nickel et aujourd'hui on est parti avec, tac tac, les deux, le Marseille et le Montpellierien. On est parti pour une nouvelle vidéo tranquillement. Voilà, j'ai envie de faire une vidéo pour vous parler tout simplement, j'ai envie de faire une petite draft détente, tout simplement, une petite draft, voilà, on va tenter de faire une bonne draft avec vous. J'avais aucune idée de concept de vidéo, comme je suis un trou du cul, je fais des drafts, comme Yes Weekend. Yes Weekend. Et on tombe contre une équipe, le premier joueur les gars, vous allez m'aider, voilà. Donc, voilà. Donc là on va prendre du Eden Hazard. T'es sûr, Sanchez? T'es beau, la note. Ouais. On va prendre du Eden Hazard, t'inquiète. Non, mais Hulk, il fait la merde. Voilà, donc là, je vais passer la manette à mes deux collègues, hein, les gars. Vous savez, ils apparaissent beaucoup dans beaucoup de vidéos. Et voilà, ils chopent du tot. On va prendre le petit chrétien. Allez, vas-y, deux jeunes joueurs, les gars. En fait, oh, du Matuidi. Prends Matuidi, t'es cool. Il est trop fort, ouais. Les gars, on va prendre Matuidi et tranquillement. Oh, les gars, tranquille. Oh, oh. Qu'est-ce qu'on veut dans cette draft? On veut quel joueur? 99, oui, bien sûr, on veut du tot. Une draft juste, oh, bon avance, une draft du tot, voilà. Et là, on top du... Oh, voilà. Ronaldo. Bon, on va prendre Ronaldo, non, prendre du Neymar. Moi j'aurais pris du Neymar, fais-moi confiance, prends du Neymar. Je sens qu'on va avoir le Ronaldo tot qui va arriver. Allez, les gars, ah, t'as fait un troisième. Mais tout, tu prends un troisième. Voilà. Mais mec, ça va. Donc, Ronaldo Totti, bon, c'est pareil, le tot, il est peut-être meilleur, mais le Totti, voilà, il est très bon aussi. Et là, on a Ramos, les gars, on fait confiance en mon instinct parce que juste après, on va taper. Oh, 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 la carte. Oh, la carte. La carte. La carte spéciale Euro. On l'a devant nous. Voilà. Donc voilà, draft simplement. J'ai trouvé le titre. Draft spécial. Comment ça s'appelle? Euro avec du Di Maria, les gars. On tape du Di Maria version Man of the Match. Donc ça va être une version spéciale Euro 2016, les gars. Voilà, donc très très belle carte. Très 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 belle carte. Et on enchaîne sur le skiller du moment. Nani, les gars. Là, je suis pas mal apprécié. Les 5 étoiles, mais qu'est-ce qu'il est bon. Voilà, je tape deux joueurs. Inévitable. Bon, on a déjà G, on a que de ça. On a que déjà G. Donc les gars, on va se calmer. Oblak, c'est vraiment Oblak. C'est vraiment Oblak. Ah, mais frère. Mais prends-le, c'est obligé. Prends-le. Oblak. Et on achète. Et on enchaîne. Qu'est-ce que je dis? On enchaîne avec du Royce ou du Douglas Costa. C'est comme ça, les gars. Allez, les gars. Franchement, cette draft, c'est une petite draft. Donc voilà, je vous ai dit qui vous supportez pour l'Euro. Et vous m'avez répondu France, plusieurs trucs. Voilà, mon perso, c'est l'Italie. L'Italie, il est là, voilà. Donc là, tu prends qui tu veux, je m'en bats les couilles. Parce que je suis en train de parler là, tu vois pas, je suis en train de parler, gros. Carrément. Que tu veux, le sang de ton père. Ce qu'il veut. Bon, les gars, je voulais juste vous parler. Si vous avez envie que je fasse des thèmes sur l'Euro, des squad builders sur l'Euro, des matchs version thème Euro, des drafts Euro, comme je suis en train de faire là en ce moment. Amsic, non? Donc, ouais, mais putain, ça m'étire. Bon, les gars, si vous avez envie de faire des trucs, s'il vous plaît, je veux juste faire un truc. Comptez le nombre de fois que je dis gars dans une de mes vidéos. Ouais. Iniesta, là. Ouais, voilà, Iniesta. Il est bon, Benat. Benat, il est bon. On écoute le conseil, Mathieu. On prend directement. Je vais enchaîner sur la défense parce que les attaques, on va le laisser pour après. Putain, mais j'ai un trou dans le dos, c'est une horreur. On tape de l'argent. Et de toute façon, on va prendre là. On va prendre du Gamboa. Il a des bonnes stats. Hein. Il a des bonnes stats, hein, franchement, on va pas se cacher. Et du PP. Ah, je préfère prendre Varane. Hein. Varane, il est largement meilleur, les gars. J'en fais un dernier parce que vous avez fait what, je vous. Et on tape du. Là, j'ai un joueur. Allez. Une petite draft sympathique et on finit sur du. Ouais. Ouais, Murillo ou Mangala. On prend Murillo, il est meilleur. Vas-y, je fais l'AD. Vas-y, l'AD, fais-le et Mathieu, il ferait le BU. Voilà, les gars, c'est vous les invités. Et on tape du Bale, man of the match. Là, les gars, c'est la dernière carte de Bale. Franchement, on a vraiment une très très grosse draft. Pour. On cherchait normalement du gros joueur. Et on a eu pas mal de bons joueurs. On va prendre du Ben Yedder, c'est vraiment un monstre. On aurait dû prendre Suarez, on l'a pris Suarez. Non, non sur... mais t'inquiète. Et les gars, je vais faire la draft, on se retrouve quand elle est finie. Voilà. Plus 3 les gars, et on gagne. Voilà, les centres collectifs, tout simplement, ils sont là. On finit par une très très belle équipe. On a quand même en remplaçant Ronaldo Totti, Neymar, Nani. Et surtout les gars, la carte qu'on recherchait aujourd'hui, c'était une carte spéciale Euro 2016. Elle est ici, c'est Di Maria. C'est pas Euro ça, mec. L'Argentin. C'est pas l'Euro 2016. Ah oui, c'est la Copa América, c'est pareil. Tu vois pas, c'est aux couleurs de l'Euro là. C'est juste parce que c'est le moment. Bon, merci de m'avoir corrigé. Mais se faire encadrer quand même, tu vois pas. On a une très très belle équipe avec du Di Maria. Ça nous fait une draft à 188 de notes. Franchement, c'est pas la note qu'on recherchait aujourd'hui. C'était juste pour faire une petite draft détente avec mes collègues. Voilà, tout simplement, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je ferai les matchs ou pas. Je vais essayer d'en revenir en finale et vous caler la finale en vidéo. Voilà, parce qu'une draft, en fait, c'est assez long à monter niveau montage et niveau moi-même aussi. Niveau le temps, 4 matchs d'affilée à faire comme ça. Ou même si je perds au premier tour, voilà, c'est assez chiant.
et du coup je préfère me concentrer tout seul pour jouer. Voilà, bref, tout simplement les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Petit draft sympathique avec Juju Mara, c'est ce qu'il faut retenir. Moi je vous dis c'est Nano, on se retrouve dans 2-3 jours pour une prochaine vidéo qui va arriver prochainement, je vous le promets les gars. Et c'était Nano, et se faire un cadre de pêche. On s'arrête, on revient en arrière, on enchaîne avec le flare shot. Magnifique poteau, comme dirait Ouloulou. Allez.